Puisque c'est nous qui ouvrons cette commémoration, nous estimons que ça veut dire que vous mettez en lumière et vous mettez cette commémoration sous le signe des femmes et des féministes, surtout des féministes, parce que les féministes, elles savent mieux que les autres encore que les femmes sont oubliées dans l'histoire, minorées sinon ignorées dans la vie, et que notre rôle, c'est justement de les mettre en lumière. Et il y a 50 ans de cela, les groupes parisiens du mouvement de libération des femmes se sont fait la même remarque, c'est-à-dire que pour le centenaire 1971 de la Commune, il y avait des manifestations, mais presque rien sur les femmes. Donc elles ont organisé un rassemblement à Issy-les-Moulineaux où les femmes avaient beaucoup combattu pendant la Commune et elles ont repris d'ailleurs un tract des femmes de Montrouge et de Belleville qui appelait les hommes à combattre, et elles ont donc fait une manifestation pour dire attendez qu'on n'oublie pas les femmes, surtout qu'elles ont beaucoup combattu. Donc je pense que quand on aura des textes, on a le tract du MLF avec le texte des femmes de la Commune. Hélène devait le photocopier, elle n'est pas encore arrivée, mais bon, c'est comme un petit peu, là, tout est un petit peu chaotique, mais vous l'aurez ce texte, parce qu'elle... Et donc, les groupes du MLF ont écrit une chanson pour ce rassemblement du 28 mars 1971, et cette chanson, elle est devenue un peu l'hymne des femmes, des mouvements, disons, parisiens, mais même français, et... Pour écrire cette chanson, elles ont choisi un air qui leur paraissait, elles ne savaient pas tout sur cet air, qui leur paraissait en tout cas un chant de révolte et de libération, qui est le chant des marais, ou on dit le chant des déportés, mais nos copines du MLF, elles ne savaient pas forcément que c'était deux hommes communistes, mais juifs aussi, qui étaient en camp de concentration, en Poméranie, c'est pourquoi on appelle ce chant le chant des marais, qui avait fait la musique de ce chant. Voilà donc l'hymne des femmes. Alors, j'ajouterai une chose, c'est qu'en fait, nous n'avons pas une chorale, mais un groupe de chants qui s'est chanté le public. On a chanté aussi le public. On distribue les paroles. Un certain nombre d'entre vous ont les paroles. Je pense que des textes auraient dû être tirés, mais ils n'ont pas été tirés, on passe à la suite du reste. Mais on en a distribué nous-mêmes. On s'en doutait, donc on en a apporté, on vous en a distribué, et maintenant, on va chanter avec nous. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, le monde aux femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, 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 asservis. Acheté, vendu, volé, dans tout.
dernier voyage, j'ai été en Algérie et je l'ai défendue. On va dire les droits des femmes pour aller vivre en Suisse. Elle est morte à Marseille au retour. Et c'est pour commémorer sa mort que nous avons écrit cette chanson sur l'air d'Étienne Rodagier, La Macdonchina, qui est une chanson qui avait été écrite pour Paul Émile, mais qui a été chantée pour Macdonchina.